Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Les sciences ont été mises au devant de la scène pendant des siècles, rendant célèbres certains de ses contributeurs, comme Einstein, ou bien encore Marie Curie par exemple, dont tout le monde connaît le nom, voire les travaux. Les scientifiques étaient synonymes d'évolution, de raison et de réponse à des questions souvent liées aux problèmes de société. Permettant à l'humanité de franchir des caps et apportant la vérité scientifique, ils sont aujourd'hui très peu existants médiatiquement, et l'on pourrait même dire tout simplement écartés des médias pour éviter toute contagion de pensée. Et oui, nous vivons dans une période où la célébrité ne s'acquiert plus pour ce qu'elle apporte au bien commun, mais plutôt à l'idiotie commune. Prenons par exemple Cyril Hanouna, la famille Kardashian et tant d'autres qui explosent au niveau médiatique. Vénérés par la masse sociale, ils sont pourtant bien loin d'apporter une quelconque plus-value à l'intelligence humaine. Je dirais même qu'ils auraient plutôt tendance à nous faire régresser vers des instincts uniquement émotifs, voire primitifs, nous faisant adorer ou détester. À l'heure où de grands changements climatiques et donc de civilisation sont en cours, il est très dommageable de ne plus mettre à l'honneur nos célèbres scientifiques, ceux qui apportent une réponse aux maux des humains. Alors aujourd'hui, je souhaiterais consacrer cette chronique à Michel Serres, qui nous a quittés le 1er juin de cette année. Né le 1er septembre 1930 à Agen, Michel Serres se voit embrasser une carrière militaire puisqu'il débute par l'école navale dès 1949, dont il démissionnera quelques temps après pour entreprendre l'école normale supérieure. Son diplôme d'études au sujet des structures algébriques et topologiques l'amène à l'agrégation de philosophie en 1955, après un long cursus. Déjà son esprit s'était emparé de la transdisciplinarité des sciences. De la philosophie aux sciences plus dures, Michel va réaliser une carrière d'universitaire où il enseignera l'histoire des sciences et sera également élu à l'Académie française en 1990. Lorsque l'on lui pose la question de son choix pour la philosophie, celui-ci répond « Au fond, je suis devenu philosophe à cause d'Hiroshima ». Très marqué par les temps de guerre et l'évolution technologique qui permettent de véritables massacres, Michel étudie très rapidement la corrélation entre cette avancée technologique et la modification du comportement humain. Pour lui, l'humanité devient une espèce en voie d'éradication en raison non pas de son environnement, mais de ses propres productions. De ces constatations, tout son travail va se déployer autour de l'évolution technologique et de son impact sur le comportement humain. Avant-gardiste par ses travaux, il apporte une lumière nécessaire à la compréhension de l'évolution des sociétés humaines. Michel Serres n'a jamais souhaité se mélanger à la politique, dont il estime en avoir vécu les frais dans sa jeunesse pendant la guerre. Pour lui, la philosophie politique, qui s'écrit à la fin du parcours et pas au début, comme tant d'autres philosophes pourraient le clamer, parfois non reconnu dans ses propos à cause de son fort accent du sud-ouest, il faisait souvent rire et l'on avait du mal à le prendre au sérieux. Pourtant, il y a peu de temps encore, il nous prédisait l'humain de demain, qu'il appelle Petite Poussette, pour sa capacité à envoyer un SMS avec son pouce. Comme il l'exprimait, nos sociétés occidentales ont connu plusieurs révolutions. Le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé, et aujourd'hui les nouvelles technologies amène une nouvelle révolution qui, comme chacune d'elles, devra passer par des mutations politiques et sociales. Citez-moi un domaine qui n'est pas en crise, disait-il. Pour lui, aujourd'hui, les institutions ne suivent plus, le rythme de la métamorphose est trop rapide et tout repose donc sur la tête de Petite Poussette. Notre manière d'appréhender l'existence a changé. Nous connaissons le récit des 15 milliards d'années passées, du Big Bang à l'Homo sapiens. Nous sommes donc bien dans l'ère de l'Anthropocène où l'homme est aujourd'hui un acteur majeur du climat et des grands cycles de la nature en modifiant son environnement. Il trouvait étonnant que les philosophes ne s'attardent pas plus longtemps sur cette thématique.
De savoir que la communauté humaine produisait autant de déchets que la Terre émet de sédiments par érosion naturelle ne pouvait pas le laisser stoïque. Accordant une grande place à l'éthique, Michel Serres estimait que les sciences dures devaient se mêler aux sciences humaines. Car la maîtrise de la technique est fabuleuse, mais sans regard lucide, humain et équilibré, cette technique peut finir par détruire. Il se considérait comme un autodidacte, celui qui se donne à lui-même le mouvement de son apprentissage, qui invente par lui-même ce que son apprentissage lui aura permis d'inventer. Il se désigne comme un penseur en mouvement, installé dans les bifurcations, sur les limites qu'il rend volontiers mobile, une sorte de marginalité heureuse. Ce nomadisme marquera sa vie d'universitaire et la suite. Il sera quelqu'un de toujours présent, mais également de très discret. Pour fluidifier sa pensée, il pratiquera un métissage comme idéal de la pensée et de la vie, en croisant les sciences et la littérature. Cette vision transdisciplinaire ne le quittera jamais. Le 5 février 2010, la librairie Mola enregistrait un petit entretien avec Michel Serres. Cela parlait de l'après-crise financière de 2008 et Michel Serres y voyait déjà une multiplication des crises à tous les domaines. Écoutons-le. On a beaucoup parlé ces dernières semaines et ces derniers mois de la crise. Et lorsqu'on dit la crise, on entend la crise bancaire, financière, économique ou voire de l'emploi. En prenant un peu de recul, j'ai pensé que cette crise n'était peut-être qu'une sorte de frémissement du sol superficiel et qu'il fallait aller plus profond pour déceler, comme dans un tremblement de terre, les causes profondes de cette crise-là. Et donc, au lieu de parler de crise au singulier, je parlerai volontiers de crise au pluriel. Pourquoi ? Parce que je remarque que depuis plusieurs décennies, nous avons vécu des déchirures très importantes à mille points de vue. Par exemple, lorsqu'on parle de l'agriculture, on voit très bien qu'en 1900, nous étions 70% d'agriculteurs. Maintenant, nous sommes 1,7% d'agriculteurs. Et par conséquent, il y a là, par rapport à la nature, une déchirure ou une sorte de métamorphose ou de changement très important. De la même façon pour la santé, on voit très bien qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, la médecine devient efficace avec l'introduction des antibiotiques, des sulfamides, et puis pour la douleur, des antalgiques, bref, un équipement pharmacologique considérable qui améliore la santé de telle sorte que l'espérance de vie monte verticalement et qu'aujourd'hui, nos compagnes ont par exemple 84 ans d'espérance de vie. Et donc, nous n'avons plus le même rapport à la nature, nous n'avons plus le même rapport à notre propre corps, à notre propre santé, à la douleur, à la naissance également, qu'on peut plus ou moins décider pour nos enfants, le rapport à la mort, puisque l'espérance de vie a beaucoup cru. Et ainsi, on peut déceler des causes très profondes qui font changer à la fois le nombre des humains sur la Terre, l'espérance de vie, le rapport à la nature, le rapport au corps, etc. Et par conséquent, je crois que nous vivons dans une sorte de crevasse assez profonde, dont les lèvres sont assez écartées et qui détermine des changements très, très supérieurs, enfin plus profonds et plus importants que la crise simplement financière, fiduciaire, bancaire ou économique dont on parle tant. Donc nous sommes aujourd'hui dans un changement, disons, anthropologique, culturel, des conduites, des événements, qui me paraît beaucoup plus profond et dont il faut réfléchir sur la lèvre aval de la crevasse. Que va-t-il, comment les choses évoluent-elles? Et du coup, on voit très bien que les religions sont en crise, que les hôpitaux sont en crise, que les universités sont en crise, que les tribunaux et le droit sont en crise, et ainsi de suite. On voit très bien que la plupart de nos institutions sont en crise et que, au fond, la crise aujourd'hui est peut-être due au fait que nous avons changé le corps, le rapport au monde, le rapport à l'espace, et que nos institutions n'ont pas changé, et que c'est ça peut-être qui est en train de gripper, de se transformer complètement. Aujourd'hui, où les crises environnementales et sociales s'accentuent,
il est temps d'adapter nos évolutions comportementales et physiologiques à notre environnement et faire table rase d'un ancien modèle d'évolution. Tout doit être redéfini. Et oui, la crise ne s'est pas installée en 10 ans, elle est le résultat de nombreuses évolutions qui nous demandent aujourd'hui un changement radical de paradigme. Merci à Michel Serre pour l'étendue de ses travaux qui nous permettent et permettront certainement dans l'avenir de mieux nous comprendre pour mieux nous adapter. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois ? Mais tu vois, le Green, Green, absolument. Green, Green, Green.